Hey, j'espère que tu vas bien, moi en tout cas ça va super. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai réalisé ma mare et ensuite je te parlerai des avantages qu'elle a pour le jardin. Tout d'abord, j'ai donc commencé par creuser un trou d'environ 60 cm de profondeur. J'ai choisi pour ma mare de réaliser un trou de forme ovale pour que la mare paraisse naturelle. J'ai réalisé divers paliers afin de créer des mini-écosystèmes qui pourront accueillir une grande biodiversité. Voici un schéma du système de paliers. Le lendemain, je viens donc ajouter des morceaux de mousse verte. C'est de la récup, ça fera office de géotextile. Ensuite, je viens déplacer la terre autour de ma mare pour pouvoir y installer la bâche. Je viens donc installer la bâche liner dans mon trou, puis je viens la remplir. Après cela, je viens rouler le surplus de bâche.
que je recouvre avec la terre de la mare. À côté de ça, j'avance dans mon jardin en permaculture. J'ajoute une couche de fumier sur mes buttes. Je réalise aussi un tas que je barderai plus tard et où il y a actuellement des patates de plantées. Puis je finis par installer des gouttières pour récupérer l'eau de pluie. Je commence aussi les plantations autour de la mare. Là, c'est un hibiscus. Je plante également des iris d'eau, des quenouilles, des crocus, des tulipes et diverses autres plantes. La vidéo touche à sa fin, si elle t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir juste en bas de cette vidéo. Et moi je te dis à la prochaine. Ciao !